Il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Dans ce passage tiré de l'Épître aux Hébreux chapitre 7 verset 25, l'auteur nous fait comprendre l'importance et la puissance de la médiation de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit que Jésus peut sauver entièrement, cela signifie que la rédemption offerte par Jésus est complète et suffisante pour tous ceux qui viennent à Dieu par lui. En d'autres termes, c'est en plaçant notre foi en Jésus que nous pouvons être sauvés et recevoir le pardon de nos péchés. Le verset souligne également le rôle d'intercesseur de Jésus, car il est « toujours vivant pour intercéder pour eux ». Cela nous rappelle que Jésus, après sa résurrection et son ascension, est assis à la droite de Dieu, où il plaide en notre faveur. Son intercession continue nous garantit l'accès permanent à la grâce de Dieu et nous assure que notre relation avec Dieu est maintenue malgré nos imperfections. Qu'est-ce que cela signifie de s'approcher de Dieu par Jésus-Christ ? S'approcher de Dieu par Jésus-Christ signifie reconnaître que Jésus est notre médiateur, notre intercesseur et notre sauveur. Cela implique de croire en lui, de lui confier notre vie et de chercher à avoir une relation personnelle avec Dieu à travers lui. C'est par la foi en Jésus et en acceptant son sacrifice que nous sommes réconciliés avec Dieu. En quoi l'intercession de Jésus est-elle importante pour nous ? L'intercession de Jésus est cruciale pour nous, car elle nous garantit un accès constant à la présence de Dieu et à sa grâce. Par son intercession, Jésus plaide en notre faveur et travaille pour notre bien, même lorsque nous sommes imparfaits et pécheurs. L'intercession de Jésus nous rappelle également que notre salut ne dépend pas de nos propres mérites ou efforts, mais repose entièrement sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et son amour incommensurable pour nous.